et comment as-tu commencé à t'intéresser à la musique électronique? En écoutant un morceau de Depeche Mode dans un casque. Sérieusement? Ouais, en fait, c'est le premier pas dans la musique électronique, c'était plusieurs Little Treasures. Et ça devait être en 88, quoi, à peu près. Et voilà, et après, j'ai un peu lâché la musique électronique pour aller vers le milieu dark et je me suis réintéressé à l'électro en voyant Biscuiting and the Hacker à Astropolis en 2001. Pour ou contre le téléchargement sur internet? C'est le grand débat. Hein. Bah, je suis pour, notamment quand c'est des artistes qui sont plus édités. Et je trouve que c'est bien de les rééditer. En ce moment, c'est quoi ta vibe? C'est quoi les artistes que tu mets sur un piédestal? Pas un piédestal, mais tu respectes beaucoup en ce moment, quoi. Parce qu'il y a une pluritude de nouvelles sorties. En électro ou en... Oh, en règle générale, en quoi. En règle générale, bah, y a des trucs comme... Moi, je suis trop fan de New Order. Ah, quand même. Des Cure, des Smiths, bon, ça, c'est la partie un peu rock. Et après, j'adore Helen Alien, j'adore Turn Spiro en électro, Junkie XL, Prodigy Underworld, bon, ça, c'est un peu les... Ouais, c'est un peu les classiques. C'est un peu les piliers, maintenant, et voilà. Et puis, je m'intéresse, c'est pas mal, à la scène française, Millimétrique, Stamba, Commuter, pas mal de gens, notamment du label électrophone aussi. Et donc, tu promets quel avenir, justement, par rapport à ce label? Tu penses que tu vas faire des productions chez eux? Comment tu penses? J'espère que je vais faire des productions avec la Binsect, notamment. On a un projet qui s'appelle Rebel Idol Techno, pardon. Et donc, bon, on met ça en place et puis bah, on espère faire une sortie d'ici au premier semestre 2009. Alors sinon, quel est le type de soirée qui t'a donné envie de devenir DJ et de poursuivre ça justement encore à 30 et quelques années, quoi? En fait, moi, j'ai fréquenté des soirées rock, des soirées électro, plein de types de soirées différents, et j'avais envie d'une sorte de fusion, quoi. Et donc, moi, je me suis mis un peu à mixer un peu de tout pour avoir pour apporter cette fusion. Et après, j'ai beaucoup travaillé dans les soirées d'art, donc du coup, je me suis mis au clubbing il n'y a pas très très longtemps, au final, quoi. Il y a 4-5 ans, quoi. Et dans le clubbing, en fait, je retrouve un esprit de faire la fête qui est quand même vraiment où les gens vraiment se détendent qu'on ne trouve pas forcément dans d'autres soirées, ben, je trouve. C'est plutôt cool. Il y a le contact qui est facilité parfois par des substances, mais en tout cas il y a du contact, il y a de la relation sociale, quoi, et c'est vraiment cool. Quoi. D'accord, bon là on va parler un petit peu technique. J'avoue que là je t'ai vu, j'étais un peu surpris quelque part. Je sais pas si c'est généralisé partout, parce que je suis pas dans ce milieu-là, mais j'ai vu que tu mixais le CD. Est-ce que pour toi c'est du renouveau ou c'est une guerre vinyle CD? Comment tu vois la chose? Ah non, carrément pas, moi c'est parce que j'ai vraiment démarré toujours dans mes origines. Dans les soirées dans lesquelles je mixais, le genre de son techno-industriel et tout, il y avait quasiment pas de sortie vinyle. Et il y avait tout se trouvait sur CD, donc en fait c'est un problème de matière première, quoi. J'avais pas de vinyle, j'avais que des CD à mixer, donc il a fallu que j'apprenne à les mixer tout seul, quoi. Personne m'a appris, je regardais les DJ sur vinyle, et sur CD on pouvait pas faire la même chose. Donc du coup j'ai développé ma propre technique pour mettre ça en place, et voilà, et c'est malgré moi, quoi. Si j'avais démarré par jouer de la house, je me serais sûrement mis sur vinyle en fait dès le départ, quoi. J'ai entendu parler que tu avais une expression, c'était le social clubbing. Ouais. Je voulais savoir justement comment tu définissais ça, parce que ça a l'air d'être tout nouveau et ça me bien comme le social clubbing, ça m'est vu dans une interview la semaine dernière, en fait. Il me demandait de définir mon univers. Ouais. Et
moi je viens plus ou moins de la. Enfin, j'ai vécu dans des situations un peu difficiles. Et des fois je me retrouve en étant un petit peu un fils d'ouvrier dans des soirées super hype avec des minettes en talons aiguilles et du champagne et ça, et donc je me sens vraiment, il y a vraiment une différence. Et du coup je trouve que c'est ce que j'appelle le social clubbing en fait, c'est que je me sens pas du tout dans le même univers que beaucoup de gens qui viennent dans les soirées. D'accord. Dans le même univers social en fait. D'accord. Et du coup moi je les fais danser, donc je suis au même niveau qu'eux. Et c'est aussi toute l'ambiance qu'il y a dans les films comme Trainspotting, comme Human Traffic, tu vois, le côté okay, un peu anglais. C'est des jeunes qui n'ont pas trop de thunes qui vont faire la fête comme ils peuvent. C'est un peu ça le social clubbing. Ah bah justement, je rebondis sur l'Angleterre. Est-ce que tu penses que la scène française, du domaine de l'électro jusqu'au rock alternatif, justement, a du mal à se concrétiser quoi, sur la scène internationale. Tu penses que c'est dû à quoi, toi? Bah maintenant, il y a la deuxième vague French Touch New Wave là, avec Justice et compagnie, l'avènement de Daft Punk, qui est un peu en train de changer la donne, notamment au Japon et aux États-Unis. Mais c'est vrai qu'en France, c'est un problème de culturel. Notre culture à nous, c'est le twist. L'héritage qu'on a en fait, musical, c'est le twist et c'est les radios crochets. Quoi, hein, c'est la Starac maintenant. Et du coup, on se retrouve avec des labels, des macro-labels quoi, qui vont signer 3 artistes et qui vont passer en boucle pendant 10 fois par jour sur les radios. Et qu'à côté de ça, il y a plein de petits labels et de petits artistes qui galèrent, ouais. Et qui sont pas mis en avant. Et en Angleterre ou en Belgique ou en Allemagne, dans ces autres pays, il y a beaucoup plus de place pour les petits labels qui peuvent émerger, il y a plus de médias à leur disposition. Quoi. D'accord, bon, j'ai une dernière question. Alors, un mot à dire au Nightclubber. Dehors.